Dégivré. 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 C'est toute la glace du pôle Nord fond. Est-ce qu'on aura des pieds dans l'eau? Les givrés d'épaule. Les givrés d'épaule, le podcast qui explore les zones polaires. Lorsque la neige tombe et que les températures le permettent, les flocons s'agglomèrent et, serrés les uns contre les autres, compactés tous ensemble au fil du temps, ils se transforment en glace. C'est de cette matière que sont faites les calottes glaciaires et les glaciers. Ce que l'on trouve au pôle, mais aussi ce qui tente de survivre sous nos latitudes. Les glaciologues sont les scientifiques qui étudient cette matière, vivante et mouvante, d'apparence si solide et pourtant si fragile. La glace parle. Elle nous raconte notre passé et de son évolution dépend notre futur. Je m'appelle Oriane Larromiguière, je suis journaliste. Dans ce podcast balado, je vous emmène à la découverte des zones polaires, à la rencontre d'humains passionnés par ces régions, qui arpentent, décryptent et analysent ce qu'il se passe là-haut ou là-bas, ça dépend où l'on se situe. Bienvenue dans les givrés des pôles. Si je me souviens bien, je crois que j'ai découvert la glaciologie en Argentine, en visitant le Perito Moreno, un glacier majestueux de Patagonie qui attire des milliers de visiteurs. Dans la ville toute proche d'El Calafate, il y a un musée qu'on appelle le Glaciarium ou Museo del Hielo, le musée de la glace. C'est là-bas que j'ai compris l'importance de cette matière et son influence sur tout le système Terre. Moi, j'ai fait un master recherche en océanographie et météorologie. Et donc, à la fin, il fallait que je trouve un stage. Et je voulais travailler sur les régions extrêmes, donc chaudes ou froides. Je vous présente Lydie Lescarmontier. Elle a publié cette année « La voix des pôles ». Les passages que vous entendrez lus à la première personne sont extraits de son livre. Aujourd'hui éducatrice au changement climatique, sa rencontre avec les zones polaires n'avait pourtant rien d'évident. Finalement, j'ai un copain qui me dit un jour « Attends, regarde sur le site du CNES, il y a un stage et c'est analyser des données issues d'un glacier en Antarctique ». Et donc on regarde ensemble et puis je décide. Bon, la date de candidature était très très proche, c'était un petit peu tard. Et je me dis, ça a l'air quand même intéressant. Je décide de me pointer au labo qui proposait le stage. Et je m'aperçois finalement qu'ils n'ont pas vraiment d'autres candidats puisque les candidatures ont été envoyées par mail et que le responsable est en Antarctique à ce moment-là. Et donc on me dit, écoute, t'es là, tu vas bien faire l'affaire. La glaciologie, c'était pas du tout une vocation à la base. Je suis vraiment... c'est vraiment un coup de chance. Mais c'est vrai que c'est... Une fois que j'ai découvert ce domaine-là, je me suis aperçue que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. C'est très différent d'autres personnes qui, en fait, ont pu construire vraiment leurs études pour pouvoir aboutir à ce métier-là. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de sollicitations de jeunes qui veulent devenir glaciologues, qui me disent « comment on fait pour faire ça ?» Moi, j'étais plutôt dans une... C'est un peu énervant d'ailleurs, vraiment dans une attitude plutôt passive, et ce truc magnifique m'est tombé dessus, et j'étais vraiment accrochée à l'hameçon, quoi. C'est pendant ce stage en glaciologie que Lydie fait la connaissance d'un géant de glace situé en Antarctique de l'Est, le glacier Mertz. Ses mensurations, plus de 5000 km² de surface, l'équivalent d'un département comme la Meurthe-et-Moselle. Lydie se laisse peu à peu envoûter. Sur l'écran de son ordinateur, à travers les données enregistrées sur une petite carte mémoire, la jeune femme fait connaissance avec le colosse qui lui dévoile un peu de son intimité. Un lien se crée qui ne se défera plus jamais. Donc là, je commence à travailler sur le fameux glacier Mertz, qui est un glacier émissaire. Et donc ces glaciers, en fait, ils drainent la glace de la calotte antarctique. Donc ils l'amènent avec eux vers l'océan. Et en fait, au cours du temps, donc, il y a des crevasses qui vont apparaître à la surface. Et ces crevasses, elles vont évoluer, elles vont se creuser aussi. Et au bout d'un certain temps, elles vont permettre à un iceberg, finalement, de se détacher de ce glacier. Et c'est lorsque le glacier a donné une nouvelle entité, un iceberg, qu'on dit qu'il vient de Vélé.
Et en fait, on savait que ce glacier, il allait bientôt donner ce nouvel iceberg, qui était un iceberg de 70 km de long par 35 de large. Donc c'est vraiment monumental. Et on voulait vraiment suivre toutes les étapes de formation de cet iceberg pour pouvoir comprendre déjà comment ça se passe, parce qu'on a très très peu de données. Et aussi pour savoir si on a, quand on fait des projections en fait sur le changement climatique, si on a une accélération de ces glaciers émissaires, s'ils commencent à ramener beaucoup plus de glace et à véler beaucoup plus d'icebergs, quelles sont les conséquences ensuite, que ce soit pour le glacier en lui-même, pour la calotte en amont, est-ce qu'il y a des boucles de rétroaction qui font que le système s'emballe et du coup qu'il y a beaucoup de glace qui part vers les océans, ou au contraire, est-ce que c'est un système qui est équilibré et tout ça. Donc notre idée, c'était vraiment de comprendre, grâce à ce petit laboratoire, ce qui allait se passer pour la suite. Et donc moi, en stage, je commence à analyser ces données et j'avoue que c'était quand même assez magique de voir ce glacier vraiment bouger sur les courbes de mon ordinateur. Ouais, je trouvais que c'était un contact assez fort, parce que j'étais la première en fait à regarder ces données. Ouais, un petit peu comme une lettre écrite, voilà qui je suis. C'était vraiment ça, le sentiment. Ça a créé vraiment une personne. Et puis, ce qui aussi a rajouté du relief à tout ça, c'est que c'est un glacier qui est immense en fait. Il fait 150 km de long par 35 de large. Et je continue ce stage, ça se passe très bien, et donc on me propose de continuer en thèse après ça. Et donc je pars ensuite pour la première fois en Antarctique, récupérer de nouvelles données, et puis installer davantage d'instruments pour continuer à suivre le comportement de ce glacier. Le Mertz porte le nom d'un alpiniste et skieur suisse, Xavier Mertz, qui accompagnait l'explorateur australien Douglas Mawson, parti en 1911, pour cartographier une partie quasiment inexplorée de la côte de l'Antarctique, située au sud de l'Australie. Un troisième homme est de la partie, Edward Sutton Ninnis, lui aussi australien et médecin militaire de son état. L'expédition Mawson est à l'Antarctique ce qu'est le radeau de la Méduse à l'Atlantique, à ceci près qu'elle a pour théâtre les glaces de la banquise, sur lesquelles les trois hommes, leur équipe et leur chien partirent à l'aventure avec leurs trois traîneaux. Comme toujours, les débuts furent euphoriques. Le groupe de l'Est lointain, ainsi qu'il s'était baptisé, avala 500 km de montagnes et de glace. Le soleil brillait de tous ses feux et la température était douce ce jour où, le premier, Ninnis disparut de la vue de ses compagnons, englouti dans une crevasse. Ils l'appelèrent 3 heures durant, en vain. Puis ils durent se rendre à l'évidence. Cette mort tragique signifiait la fin de l'expédition, Ninnis ayant emporté avec lui, outre ses chiens, le traîneau transportant l'essentiel de leurs vivres. Aussi rebroussèrent-ils chemin pour regagner au plus vite la petite cabane du cap Denison. Mais une nouvelle compagne s'était invitée, la faim, qui les contraignit bientôt à manger leurs chiens, et avec elle, la maladie du mal nourri, cette dysenterie qui devait mettre fin à l'existence de Mertz. Après l'avoir trouvé, un matin, sans vie dans sa tente, Mawson jeta le corps de l'alpiniste dans le glacier où l'équipe venait de bivouaquer. Juste avant d'embarquer pour l'Antarctique, Lydie et son directeur de thèse, Benoît Legrézy, sont chargés d'une mission un peu particulière. Donc Benoît et moi, on a été contactés par la fondation Mawson Hut, qui était à la recherche du corps de Mertz qui était tombé, donc qui avait été jeté par Mawson dans une des crevasses du glacier. Et donc d'après leurs calculs, il semblait que le corps de Mertz soit dans pas très loin en fait d'un de nos GPS. Et donc juste avant de partir sur le terrain, ils nous ont demandé de jeter un coup d'œil à ça. Mais ce qui nous paraissait complètement irréaliste, vu les dimensions du glacier. Je pense que peut-être ils n'avaient pas forcément en tête la taille qu'ils pouvaient avoir. Mais c'est vrai que j'y ai un petit peu pensé, j'avoue, en volant au-dessus, en me disant « J'espère qu'on ne va pas tomber sur un corps quand même, parce que ce serait un peu traumatisant. » La mer avait disparu. Sous un ciel d'un bleu indigo s'étendait, à perte de vue, un immense champ de glace où dansaient çà et là de légères volutes de brume scintillant au soleil. Je me figeais, émerveillée. C'était comme le premier matin du monde. Du blanc, rien que du blanc,
à l'infini. Un blanc rendu plus blanc encore par les sombres zébrures qui dessinaient une fine marbrure bleutée, des veines affleurant sous une peau de satin. Fiché dans cet immense animal endormi, il y avait l'astrolabe. Ce premier choc, je ne l'oublierai jamais. J'en avais vu pourtant des documentaires sur les pôles, avec leurs beaux plans larges sur la banquise, leurs zooms sur les cristaux de glace, leur symphonie de couleurs bleu, blanc, gris. J'avais tutoyé des montagnes, dévalé des pistes de ski. Mais n'aurais-je jamais eu sous les yeux que les campagnes de mon Berry natal et l'arrière-pays toulousain, l'électrochoc n'aurait pas été plus violent. Rien ne vous prépare jamais à la première rencontre avec les pôles, à cet immense gifle d'absolu. L'air lui-même que j'aspirais à plein poumon avait une saveur inconnue. Fermant les yeux, j'essayais de la définir, comme le nez d'un parfumeur se concentre sur une fragrance. En vain. Hormis peut-être un soupçon d'iode, c'était une odeur sans odeur, juste une quintessence de fraîcheur. Ce qui est fou, c'est que cette odeur, je la retrouve systématiquement en m'approchant d'un glacier proche de l'eau. Dès que j'arrive, que ce soit en Arctique ou en Antarctique, proche de la glace, tout de suite, cette odeur-là, elle me rappelle en fait ce premier contact avec la banquise. On pense, en tout cas c'était mon sentiment, je pensais savoir ce qui m'attendait, et finalement non, pas du tout. J'ai vraiment découvert un ensemble de sentiments qui en fait un peu été le pivot après de ma vie. Le ressenti d'être dans une région qui est extrêmement sauvage, où on voit qu'on n'a jamais eu de contrôle et on n'a toujours pas de contrôle. Tous les autres sens qui se sont réveillés et qui ont apporté du relief et qui en fait ont vraiment donné de la valeur à ce que je vivais. Mais c'était clairement le son, le crissement de la glace contre la coque du bateau. C'est la violence en fait du contact du bateau contre la glace. Ça, c'était assez fort. Je me suis dit, mais comment on peut lancer un bateau comme ça dans la glace sans prendre de gros risques? Mais bon, ça paraissait tout à fait normal pour lui. Le sentiment d'immensité aussi, la calotte antarctique, quand on est devant, on ne voit aucune limite, donc c'est très puissant. Et puis aussi le sentiment de... Je me rappelle, il faisait très beau, il y avait un grand soleil. J'étais frappée aussi par le fait qu'il y avait des animaux partout, qu'il y avait vraiment de la vie. Et c'était très loin de cette image de la banquise que j'avais pu avoir d'un endroit un peu désolé où il reste rien que du froid, que de la glace. Donc finalement, c'était vraiment changer un petit peu cette image que j'avais et puis rajouter des couches de ressenti et puis aussi de vie. Moi, je me rappelle marcher sur la banquise et puis avoir des manchots empereurs qui nous suivaient pendant quasiment une heure. Vraiment, vraiment curieux de savoir mais qui ils sont. Ils sont peut-être nous, c'est peut-être des manchots aussi. Donc ça, c'était vraiment chouette. Pour la première fois de ma vie, il y avait des animaux qui venaient vers moi, qui n'étaient pas un chat ou un chien. Et ça m'a vraiment bouleversée. Et finalement, ce contact avec les pôles, il m'a aussi ouvert les yeux sur la nature qu'il y a autour de moi, qui est beaucoup plus proche. Ouais, c'est dans ces rencontres-là que j'ai décidé de devenir naturaliste. Me dire, mais en fait, je m'aperçois que je connais rien de ce qu'il y a autour de moi, tout simplement parce que ces oiseaux, ils s'enfuient et du coup, je m'y suis jamais intéressée. C'est là que j'ai vraiment rencontré les régions polaires et que j'ai vraiment développé ce polar bug, en fait, où j'ai vraiment été surprise de voir à quel point j'étais happée par ces régions-là. Le polar bug, ou virus polaire en français. Un virus inoffensif en apparence, ou presque. Il touche toute personne qui s'aventure au pôle, nord ou sud, peu importe. Le virus n'a pas de boussole. Il suffit d'une fois, d'un regard, d'un contact avec les terres glacées situées au-delà des cercles arctiques et antarctiques. Le virus infiltre alors les cellules et pénètre dans l'organisme, et l'on devient accro. Les signes sont là, ils ne trompent pas, ça y est, on l'a chopé. Aussitôt revenu de ces régions polaires, on ne songe qu'à retourner vers elles. Mais pourquoi ?
Après cette première expérience, c'était des ressentis très contradictoires, puisque c'était aussi une grosse frustration, en plus de cet émerveillement de découvrir un endroit où on n'est jamais allé et dont on soupçonne à peine l'existence finalement, parce que voilà, on a vu quelques images, on ne sait pas trop non plus à quoi ça ressemble. Mais la frustration, c'était que moi, je suis arrivée dans la banquise et au bout de 24 heures, le bateau sur lequel j'étais, donc l'Astrolabe, a eu une panne d'hélice. En fait, il y a une hélice qui s'est cassée à cause d'un glaçon qui s'est logé entre les pales. Et donc, on a appris qu'on devait faire demi-tour et repartir de là en Tasmanie, de là où on était parti 5 jours avant. J'ai pas pu tout voir, en fait. J'ai pas pu vraiment embrasser l'épaule comme j'aurais voulu. Mais clairement... Le deuxième embarquement que j'ai fait, je ne l'ai pas du tout vécu de la même façon que le premier. Le premier, c'était beaucoup plus de stress, d'appréhension, de me dire « est-ce que je vais être à la hauteur dans mon travail ? Est-ce que je suis à ma place ?» Et le deuxième, c'était « oui, j'ai envie de voir, en fait, j'ai vraiment envie de le vivre à fond, ce pôle. » Et ouais, du coup, les sentiments étaient quand même assez différents. Mais plus j'embarquais sur l'Astrolabe, plus je découvrais à chaque fois quelque chose d'un peu, différent de ces pôles, plus je me rendais compte que j'étais vraiment sous leur emprise, en fait. Et ça m'a plus quittée depuis. Cette emprise, c'est construire toute sa vie, finalement, autour de ça. Parce que c'est vraiment ce que j'ai fait quand je regarde un petit peu mon parcours sur ces 10 dernières années. Puisque j'en ai fait mon métier. Après, j'ai aussi trouvé plein d'excuses pour pouvoir repartir dans les pôles, notamment en tant que guide. Donc c'est vraiment construire une carrière, une vie autour de ça. Ben, en tout cas, à Noël, si j'ai pas au moins 3 cadeaux avec un manchot dessus, ça passe pas, quoi. Non, après, oui, j'y vais en quelque sorte. Je pense que tous les gens qui sont extrêmement passionnés, ils sont un petit peu fous. Parce que cette passion, des fois, elle peut emmener loin. Après, c'est vrai que je me soigne, notamment parce que voilà, j'ai envie aussi de faire d'autres choses. J'ai aussi envie de découvrir d'autres choses et d'avoir d'autres projets qui ne sont pas forcément que liés au pôle. Puisque j'aimerais aussi moins voyager dans ces régions-là. Donc me retrouver un petit peu plus... Dans ce milieu plus local, je fais de la permaculture, des choses comme ça. Mais oui, c'est sûr. Je pense que de toute façon, n'importe quelle personne qui a mis les pieds dans un laboratoire a toujours trouvé quelques fous. Hein, le mythe du savant fou, je pense qu'il existe. Hein, mais voilà, chacun a sa folie un petit peu à sa manière. C'est aussi parce que c'est des endroits qui sont inaccessibles qu'on les aime tant. C'est aussi parce qu'il y a cette part de risque qu'on est autant attiré par ces régions-là. Et donc finalement, ce risque, on vit avec, on l'accepte. Moi, j'ai jamais autant ressenti l'aventure, en fait, qu'en voyageant au pôle. Et pourtant, il y a des moments dans ma vie où j'ai dû être peut-être... dans des endroits plus isolés ou dans des situations plus dangereuses que là-bas. Mais comme c'est loin de tout, c'est sauvage, c'est ces endroits, on ne peut pas y aller comme ça, on n'a plus de toit au-dessus de la tête, on ne survit pas. Ça en fait aussi tout le charme. On vit dans une époque où tout est contrôlé, où on a des routes partout, tout est balisé, même les chemins de randonnée. Et de redécouvrir un endroit où on se dit, en fait, il y a peut-être peut-être une centaine de personnes qui sont venues là. On a l'impression de revenir dans le passé, finalement, et de redevenir un petit peu un explorateur aussi à son échelle. Qu'au XXIe siècle, la vie de l'homme puisse être suspendue aux caprices de la météo ou de la mécanique nous paraît aberrant. À l'heure du tout informatique, la panne, l'accident n'ont plus droit de cité. Au volant d'une Tesla, un conducteur peut rouler à 130 à l'heure sans regarder la route en faisant des mots croisés. Et un pilote d'hélicoptère se crache sur la glace pour avoir perdu la ligne d'horizon. Rosetta se pose sur Mars. Et un brise-glace doit rebrousser chemin à cause d'un glaçon dans l'hélice. Cette ignorance de la matière dont est fait le réel caractérise notre époque, accoutumée au miracle de la haute technologie. Rien ne vaut un séjour à bord de l'Astrolabe pour s'en trouver guéri.
Oui, naviguer à bord de l'Astrolabe, c'est quelque chose. Je me rappelle vraiment mettre les pieds sur le bateau et me dire « Ah oui, ça se passe comme ça !» Ce bateau, à la base, il a été conçu pour ravitailler les plateformes pétrolières, mais il l'a jamais fait, puisque après, il a été racheté, puis affrété pendant quasiment 30 ans par l'Institut Polaire, pour permettre en fait toute la logistique qui est associée au travail en Antarctique. Donc en Antarctique, les Français ont deux stations dans lesquelles ils travaillent. Donc il y a Dumont-d'Urville, qui est sur la côte, qui est vraiment le port d'attache des Français en Antarctique, et puis Concordia. Et donc l'Astrolabe, il va permettre de ravitailler Dumont-d'Urville, et donc par conséquent Concordia. Et il va faire en fait des allers-retours entre Hobart en Tasmanie et Dumont-d'Urville pendant toute la saison d'été, qui va de fin octobre jusqu'à début mars. Donc c'est le moment dans l'année où il y a le moins de banquise, ce qui permet en fait au bateau de traverser et de s'approcher de la station. Et donc l'Astrolabe va effectuer 4 rotations différentes, même 5. Et en fait, chaque rotation correspond à un aller-retour entre Hobart et Dumont-d'Urville. C'est un bateau qui est super parce qu'il a une coque renforcée. Donc comme il devait être ravitailleur de plateforme et amener du pétrole, voilà, il y a cette coque très, très épaisse. Mais à côté de ça, c'est très, très rustique. Il y a certaines cabines, notamment les cabines pour hommes, où ils peuvent être jusqu'à 8 personnes. Je me rappelle que mon premier embarquement, les toilettes, l'eau des toilettes passait dans le lavabo de la cabine et puis repartait à chaque vague. Quand le plus anodin, le plus quotidien de nos faits et gestes, manger, digérer, dormir, se laver, se déplacer, cesse d'être naturel pour se muer en exploit, l'humain prête à ce qui l'entoure une attention que la vie dite civilisée avait émoussée. Ces forces qu'il avait encloses dans des noms, les vagues, le vent, le froid, la gravité, se révèlent à son corps dans toute leur sauvagerie insolite. Il découvre qu'il n'en connaissait rien, qu'il a tout à apprendre, comme un nouveau-né. Quand on y pense, les récits des grands aventuriers ne sont guère faits que de ça. Des accumulations de mini-exploits dérisoires, comment j'ai allumé un feu, réparé ma ligne cassée, colmaté une brèche pour empêcher l'air de passer. Il y a seulement 3 jours, aurais-je imaginé que je sortirais un matin de ma douche avec le même sentiment de fierté qu'un général venant de remporter une bataille ? Son petit surnom, c'est le Gastrolabe. C'est pas un secret. Hein. On est tous plutôt bien malades à bord. D'ailleurs, c'est assez drôle puisque le meilleur remède contre le mal de mer à bord de l'Astrolabe, c'est des patchs en fait, qu'on met derrière les oreilles. Et du coup, on a l'impression d'être dans une sorte de secte où tous les gens sont un petit peu des zombies et se promènent avec ce petit patch derrière l'oreille. C'est assez particulier. Mais c'est vraiment un milieu à part entière où chacun a ses habitudes à bord du bateau. Il y a ceux qui vont passer du temps sur le pont à regarder les oiseaux. Il y en a d'autres qui vont passer des jours et des jours devant la télé. Ceux qui seront bloqués derrière le bar. Moi, je sais que j'avais un petit coin à côté d'un géranium à la passerelle où je pouvais juste m'asseoir, juste limite. Et c'était un endroit où j'adorais être parce que ça me permettait de vraiment, vraiment voir tout ce qui se passait sans être trop malade. Bon, bref, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'aventures parce que c'est un bateau qui bouge énormément. Après, c'est une région aussi du monde où forcément, les 50e hurlants, on sait que ça va bouger, mais c'est quand même rustique. Après, c'est aussi ça qui fait son charme. Ça rapproche toutes les personnes à bord, tous les passagers. On se sent un petit peu ensemble dans cette même galère. Et même si on le déteste au départ, ce bateau, on en vient vraiment à l'adorer une fois dans la banquise. En septembre 2010, le Mertz a fini par libérer l'iceberg géant que Lydie attendait, guettait depuis 2 ans. Il faut imaginer que ce glacier, il est vraiment perpendiculaire à la circulation. Donc, pendant très longtemps, il a servi de barrière au courant qui circulait d'est en ouest et qui amenait aussi de la banquise, notamment de la banquise
pluriannuelle, donc qui était assez épaisse, vers Dumont-d'Urville. Donc, en fait, ce rôle protecteur, il a disparu au moment du vêlage. Et donc, il y a aussi plein de banquises très épaisses qui arrivaient devant Dumont-d'Urville. Et donc, le changement de géographie rajouté à un petit déséquilibre qui était initié par le changement climatique, tout ça a fait que les manchots, qui étaient dans une géographie plutôt stable, qui avaient une polynie, donc une zone d'eau libre dans laquelle ils pêchaient régulièrement, qui n'était pas très loin de leur manchotière, donc là où ils avaient les petits, se retrouver à devoir parcourir des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir aller se nourrir. Donc revenaient très tard, les petits qui étaient fragiles parce qu'ils étaient sous-alimentés à chaque coup de vent ou de pluie ou de froid, ben, mouraient les uns après les autres. Et donc il y a eu plusieurs années de suite où en fait il y a eu un échec total en fait de la reproduction de ces manchots. Ce qui en fait laisse présager aussi beaucoup de choses pour l'avenir, parce que si cette banquise disparaît, forcément ça va avoir des conséquences pour ces manchots. Les manchots, notamment les manchots empereurs, c'est déjà des oiseaux qui se reproduisent sur la banquise en plein milieu de l'hiver. Donc ils ont besoin de ce milieu pour s'installer. Et puis après, la banquise, c'est vraiment à la base de toute la chaîne alimentaire dans les pôles, que ce soit en Arctique ou en Antarctique, parce que voilà, il y a des algues qui vont se développer sous cette banquise. Ces algues vont ensuite servir de base d'alimentation aux krill, qui ensuite va servir de base d'alimentation aux baleines, aux manchots, aux oiseaux, etc. Donc on voit que si cette banquise disparaît, c'est toute la chaîne alimentaire qui est avec elle. Donc voilà, tout est une affaire d'équilibre, c'est vraiment ça. Dès qu'il y a un petit maillon qui manque, tout ne fonctionne plus correctement. C'est vrai que le changement climatique et notamment l'impact sur les pôles, on l'associe systématiquement à l'augmentation du niveau marin. Mais finalement, c'est qu'une petite partie des impacts. Les impacts, c'est aussi les vagues de chaleur, c'est aussi les dérèglements de la météo sur une année, avec des canicules, avec des périodes de grand froid comme on a pu avoir en avril cette année. C'est aussi les inondations, c'est aussi l'érosion côtière, tout est imbriqué. Effectivement, on a l'impression que c'est loin. Pourtant, on a tous un impact sur les pôles, que ce soit à travers le changement climatique ou à travers la pollution. C'est vrai que les glaciologues, climatologues, qui suivent les évolutions des climats passés en faisant des carottes de glace, voient notamment des marques dans la glace qui correspondent soit à des épisodes d'incendie ou parfois aussi à des essais nucléaires qui laissent aussi des marques dans la glace. On voit que même au milieu de l'Antarctique, il y a des traces en fait de notre présence. Et puis oui, clairement, le changement climatique, ça impacte la Terre entière. Et les pôles, comme c'est à la fois des régions sensibles, mais aussi parce que c'est des endroits où les circulations atmosphériques font qu'à la fois le CO2 ou, on l'a vu aussi avec le trou de la couche d'ozone, les gaz vont se retrouver là-bas. Il y a aussi vraiment un lien fort, en fait, entre l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud et puis ces pôles. C'est aussi des endroits qui sont vraiment au cœur de la machine climatique qui lui permettent de fonctionner. C'est des endroits où on crée de l'eau dense, de l'eau extrêmement salée, puis froide aussi, qui est finalement le moteur d'une grande circulation globale qui s'appelle la circulation thermohaline. Et cette eau salée se forme parce qu'il y a de la formation de banquises. En fait, la banquise, elle commence par l'agglomération de cristaux de phrasile. Et en fait, ces cristaux, ils sont formés qu'à partir d'eau douce. Et donc, le sel qui est dans l'eau de mer reste de côté, dans l'eau qui reste liquide. Et au bout d'un moment, cette eau, elle est tellement salée qu'elle devient extrêmement lourde et elle plonge. Et ce mouvement, en fait, entraîne ensuite des masses d'eau qui vont circuler autour du globe et qui vont vraiment avoir une importance pour gérer notamment notre météo locale. Par exemple, le Gulf Stream, il est vraiment lancé en quelque sorte par ce type d'eau dense dans l'Atlantique Nord.
Donc il y a déjà cette partie-là, puis il y a aussi le fait que c'est aussi de grands miroirs blancs qui réfléchissent les rayons du soleil, et ça a vraiment aussi une importance en fait dans la régulation du climat. Et on voit qu'aujourd'hui, la disparition de la banquise en Arctique fait que en fait, ce pouvoir réfléchissant n'existe plus, et donc on a une augmentation de la température dans cette région qui est deux fois plus importante que dans le reste du monde. Après, il y a plein d'autres choses. Il y a aussi la régulation du taux d'humidité qui est différent au-dessus des surfaces englacées. Mais tout ça pour dire qu'en fait, ils sont vraiment au cœur du rouage du fonctionnement du climat. Et c'est important de conserver leur intégrité pour ça. L'Arctique, c'est un océan. Donc il va être recouvert de banquises une grande partie de l'année, qui est entouré de terre, alors que l'Antarctique, on a un continent qui est recouvert de glace, qui s'est formé par l'accumulation de neige pendant des millions d'années, et qui est ensuite entouré d'un océan. Et en fait, déjà la présence de l'océan austral a permis d'isoler en quelque sorte ce continent du reste du monde, parce qu'il tourne en fait tout autour, et voilà, il forme une sorte de barrière qui empêche pas mal d'intrusions d'eau chaude. Après, ce qui se passe aussi en Arctique, c'est que comme on a cet océan au milieu, on a formation de banquise, et la banquise, c'est pas très épais, c'est quelques mètres d'épaisseur. Et donc si on augmente la température de l'océan Arctique, cette banquise va fondre et elle va laisser place à l'océan. Et l'océan, il n'aura pas du tout les mêmes échanges, notamment avec l'atmosphère, que la banquise, parce que là, on va avoir beaucoup plus d'évaporation d'eau, parce que voilà, l'eau, c'est beaucoup plus humide que la glace. Donc ça va avoir des conséquences, en fait, sur le développement de dépression, notamment en Antarctique, mais en tout cas sur la température, de manière générale. Et puis, il y a aussi cet effet albédo, qui fait que quand on a une surface blanche, on a les rayons solaires qui vont être réfléchis. Par contre, si on a l'océan qui est beaucoup plus foncé, là, on a une absorption vraiment de ces rayons. Et donc, en fait, toutes ces différences-là font que l'Arctique s'est réchauffé beaucoup plus. L'Antarctique, c'est aussi un continent qui est à haute altitude. Et ça aussi, ça a un impact, puisque plus on monte et plus il fait froid. Comme c'est déjà un endroit qui a des températures qui sont très négatives, c'est difficile, en tout cas c'est pas automatique, direct, de voir un effet du changement climatique, parce que ça reste des kilomètres d'épaisseur de glace. Par contre, quand j'ai commencé à travailler en Arctique, où là on a des glaciers qui ressemblent un petit peu plus aux glaciers de montagne, et puis c'est aussi une région qui a des records en fait d'augmentation de température. Là par contre j'ai vu vraiment des limites de glaciers qui reculaient d'une année sur l'autre, mais vraiment au point où à certains endroits je reconnaissais plus le paysage alors que j'étais venue l'année précédente. Donc là c'était extrêmement marquant. Muette de stupeur et d'effroi face à ce spectacle navrant, j'avais repensé à mes 7 années de course vaine en Antarctique, à traquer les signes d'un réchauffement qui jouait à cache-cache avec nos instruments. Effleurant ici une piste d'aéroport, là, le dos d'une plateforme, il demeurait discret et avançait encore masqué. J'avais à présent sous les yeux le futur du Mertz, celui de la plateforme Amory, si rien n'était fait pour enrayer le processus enclenché. Le réchauffement climatique dévorait la glace à pleines dents, croquant chaque année des dizaines de kilomètres carrés de banquises, avalant des glaciers. Digérés par les océans, ces milliards de tonnes de glace devenues eau gonflaient les océans, affolaient leur transit, déréglant la machinerie subtile qui maintenait stable depuis des siècles la température de la planète. Et ça m'est arrivé une autre fois aussi en Nouvelle-Zélande, pareil, un glacier qui s'appelle le Franz Josef. Mais là, il s'était passé 7 ans, en fait, entre mes 2 visites de ce glacier. Et en fait, l'endroit où j'étais allée 7 ans auparavant, il fallait que je fasse 25 minutes de marche supplémentaire pour pouvoir y retourner. C'était un front de glacier. Et ouais, je me rappelle vraiment ce sentiment de me dire,
bon sang, mais là, je reviens dans 10 ans, je le vois plus, ce glacier, c'est fini. Et c'est là où ça m'a vraiment frappée. À côté de ça, je pense que c'est super important de garder vraiment un discours optimiste tout le temps parce que c'est aussi quelque chose que j'ai découvert ces dernières années en travaillant en éducation. C'est que aujourd'hui, on a aussi de nouvelles opportunités, en fait. Pas un seul moment dans l'histoire de l'humanité, on s'est dit quel est l'avenir que l'on veut. Tout s'est construit au fur et à mesure par des rapports de force. Alors qu'aujourd'hui, on a cette menace commune et on a la possibilité de se réunir autour de la table et de dire maintenant, il faut remettre les choses à plat. Il faut vraiment discuter de ce qu'on veut faire de ce monde pour éviter qu'il disparaisse, ou en tout cas qu'il disparaisse tel qu'on le connaît. Et profitons-en pour aussi régler quelques problèmes au passage, quoi. Et je pense que c'est là où il faut se dire on a peut-être quelque chose de chouette à faire tous ensemble, mais il faut vraiment que ce soit un effort commun et un effort dans le but d'apporter un avenir meilleur à tout le monde. Rien n'est foutu, et c'est vrai que moi qui travaille avec des enfants, c'est quelque chose sur lequel on essaye vraiment de réfléchir. Mais ce qui est important, c'est de montrer qu'il y a des actions, des solutions qui sont possibles. Il faut mettre en place des choses tout de suite, mais que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective, on a un rôle à jouer. Et c'est vrai que l'exemple, par exemple, de la couche d'ozone est parfait pour ça, puisque voilà, quand on a découvert ce problème, peu de temps après, on a mis en place des solutions, et on voit qu'aujourd'hui, c'est quasiment plus un problème. Il faut juste se mettre d'accord, et le problème, c'est que le changement climatique, c'est lié à notre façon de vivre, et c'est aussi lié à la base de nos économies, et c'est là où c'est très, très compliqué. Un autre exemple que j'aime bien utiliser aussi, c'est le bio. Moi, je me rappelle, étant adolescente, les rayons bio dans les magasins, c'était vraiment anecdotique, c'était extrêmement cher, c'était 3-4 produits. Aujourd'hui, il y a des magasins bio absolument partout. Il y a du à prendre et à laisser, certainement, mais on voit que ça va quand même dans la bonne direction. On essaye davantage de prendre soin de l'environnement. Les jeunes générations sont aussi beaucoup plus à l'écoute, en fait, de tout ça et sont prêts à faire des choses. Et moi, je trouve que voilà, les changements que je vois, ils sont optimistes, ils sont chouettes. C'est juste qu'on a 20 ans de retard. Lydie Lescarmontier a publié La Voix des pôles aux éditions Flammarion, dont vous avez pu entendre quelques extraits dans cet épisode. Givré. Vous venez d'écouter un épisode des Givrés des pôles, réalisé par Oriane Laromiguière, avec la musique originale d'Hélène Lemay et les productions Tuxedo Swing, et le mixage de Laurie Vachon. Un grand merci à Lydie Lescarmontier pour sa participation. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la page des Givrés des pôles, le podcast, sur les réseaux sociaux, et à parler autour de vous de l'importance des zones polaires. À bientôt !